Eh bien, bon après-midi à vous, messieurs et mesdames et messieurs. Cette journée qui commence bien pour l'écurie Rajram Din avec un blême royal qui ouvre son compteur après avoir mené la course de bout en bout sur 1850 mètres qu'il découvrait pour la première fois. Raj, c'est un pari réussi, un pari gagnant. Je dois dire que je comptais beaucoup sur Yacine Mamdi parce qu'il avait monté ce cheval à l'entraînement et il aimait bien le cheval et il a bien dosé le cheval et il a gagné la course en perfection. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui a été assez malchanceux, hein, souvent dans les accessibles, mais qui avait du mal à vraiment mettre le nez devant. Et bien cette victoire va certainement le remettre le moral pour vraiment montrer de quoi il est capable. Oui, mais aujourd'hui, il a couru dans son pas sans se fausser. Yachine a bien dosé son pas et il a gagné comme un champion. Et là, je dois dire un petit mot pour Madame Benanekol qui fête son anniversaire demain. C'est une victoire que je dédie à elle et à Yachine pour une bonne fête de Eid. Merci Raj. Sinon, pour le reste de la journée, un petit espoir ici et là. Oui, on a de très très bonnes chances, mais si les chevaux courent quand même le Royal a couru, je peux gagner une ou deux courses encore. Alors, vous pensez à lequel justement, Raj? Maintenant, si Rovinjet répète sa performance, il peut être là. Et il y a deux autres matchs qui est très bien, mais il y a forte opposition dedans. Et le nouveau? Et le nouveau peut frapper d'entrée s'il est dans sa peau. Donc voilà, la confiance est de mise du côté d'écurie Rajram Din. Les chevaux sont très bien, comme l'a prouvé d'ailleurs Emblème Royal qui ouvrait enfin son compteur pour le bonheur, bien sûr, de ses propriétaires. On les salue. Sur ce, on va retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.